L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous docile à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi 8 octobre 2021. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout homme divisé contre lui-même devient... Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept. Il entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. La mission de Jésus est d'annoncer le royaume des cieux pour le salut de l'humanité. Et cela passe par diverses situations. Par exemple, l'expulsion des démons, la guérison des malades, etc. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Luc nous rapporte que Jésus venait d'expulser un démon. Et certains disent que ce n'est pas Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. Alors, la question que je me suis posée en méditant ce passage est ceci. Quelqu'un peut-il être contre lui-même? Quelqu'un peut-il éliminer sa vie si vraiment... Est-ce que c'est possible? Je me dis que ce n'est pas normal. Cela veut dire que tous ceux qui appuient Jésus ou disent que ce n'est pas Belzéboul qui expulse les démons, c'est qu'ils ont autre chose dans la tête. Ils ne veulent pas reconnaître Jésus, tout simplement, que c'est lui qui est venu de Dieu et qu'il fait tout au nom de Dieu. Nous sommes souvent tentés, nous aussi, reconnaître nos frères, ne pas reconnaître dans nos frères l'Esprit de Dieu qui agit quelquefois, même dans nos communautés, dans nos communautés paroissiales, dans nos communautés chrétiennes et tout. Des fois, l'agir de certains montre que c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit, c'est l'Esprit Saint qui les conduit, mais nous leur attribuons l'Esprit mauvais.
et nous les qualifions de Belzéboul, nous disons qu'ils sont possédés. Ils sont... Il est vrai que les démons existent, comme Jésus nous le fait voir à la fin de l'évangile. Mais faisons attention, chers frères et sœurs, pour ne pas voir les démons partout et en toutes choses. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous fermer à la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à voir le bien qui se fait dans l'autre. Que le Seigneur nous aide à voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre et à être vigilant pour que le démon ne s'empare pas de nous. Je vous souhaite une belle journée. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, fasse descendre sa bénédiction sur vous, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.